Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itis103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Disney Dreamlight Valley. Encore une fois, on fera une courte session, histoire de continuer petit à petit à justement essayer de récupérer les petites choses qu'on voit dans le décor avec Mickey. Et il n'y a pas que Mickey du coup, parce qu'on a plusieurs habits de Noël. Mais du coup, oui, je sais plus en 3D, il y a un logiciel dont vous m'aviez parlé il y a peu, mais je sais plus ce que c'était. J'ai noté le nom quelque part. Soit dans le cahier, soit sur un morceau de papier. Il n'y a pas les centaines. Donc ça va être dans le classeur. Allez hop. Ouais, je me trompe de touche. Comme on a joué à Core Keeper, j'ai l'impression que on fond les touches. Alors, attrape un Tazar, ça marche pas. Récolte du colza, il manque pas grand chose. Extrait des minéraux. Part en excursion avec Merlin, une heure. On tente l'équation quotidienne avec Christophe. On peut le faire rapidement si on trouve Christophe. Il est où Christophe? Christophe, il est en bas. Picsou est dans son magasin là. Hein. Oui. Il est en train de revenir vers moi là. Ah, viens par là. Salut. Eh, salut. À quoi penses-tu en ce moment? Les reines valent mieux que les gens, hein, d'accord ou pas? Ouais, les gens c'est nul. L'odeur des gens est plus agréable. J'aime les deux à égalité. Moi aussi. Eh bien, la plupart des gens. Par contre, tous les reines. Au revoir. Voilà, mission accomplie. Tac. 10 petits points supplémentaires. Ensuite, vendu thé, perlé à la noix de coco. Oh. Mais. Parce que là, l'une des missions précédentes, c'est vendre du thé. Non, c'est pas vendre, c'est donner du thé à la framboise. Du thé perlé à la framboise. Alors. Je ne suis pas sûr d'avoir 10 noix de coco. Pour récolter le colza, on n'est pas loin, on va partir là-haut. Et donc Picsou, il est caché dans le dans son magasin. Il sort rarement, même si ça lui arrive. Ça, ça a poussé justement pour Picsou, on va aller le voir. Faut que je me rappelle où se trouvent les noix de coco. Ça va être sur les palmiers à l'extérieur. Côté de la plage, justement. J'aurais dû les ramasser là-bas. Ça doit être une noix de coco, ça. Petit point supplémentaire. Et du coup, oui, apparemment, c'est que à certaines heures et c'est plutôt dans la nuit ou le soir. Il n'y a pas de cocotier par ici? On n'est planté qu'un seul? Ah, ici, il y en a un deuxième. Je ne sais pas si j'en ai mis d'autres quelque part, je crois pas. Donc ça nous fait combien de notre coco? 6. Avec un petit peu de chance, j'en ai encore à la maison. Faudrait que j'aille chercher Rémi. Qu'on ramasse, qu'on s'occupe d'avoir des citrouilles. Une fois qu'on s'est occupé des citrouilles, on revend le tout. La question c'est où est Rémi? Il est là-bas. Là, je cherche Rémi parce que c'est plus facile après de ramasser les citrouilles. Oui. Je crois qu'il me reste encore pas mal, voilà, il me reste encore pas mal de graines, donc on va commencer par là. Mmh.
après on ira divaliser. Sous. On verra pour la suite. J'ai même tellement envie d'avoir une animation qui a changé. Tu sais, il fait plus de demi-tour, le mec, il fait des pas reculons. Je sais plus ce que je veux dire. Ainsi, un aspirateur. Tu passeras à côté avec un aspi, ça aspirerait tout ce qui est à côté, là. Le truc de devoir allumer ramasser la main, il y a quelque chose de plus agréable, je pense. Enfin. Non. On va profiter pour ramasser tout ce qui est là parce qu'après voilà, certaines vont se verrouiller. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais éviter. Ouais, c'est les ramasser celles qui sont encore actives sans qu'on ait besoin d'appuyer sur un bouton. Voilà. Celle-là, on ne peut plus ramasser. Attends, il en reste une là ici. Parfait. Non mais compagnon animal, en fait, faut juste que je lui fasse un coucou. Ah, moi je croyais qu'il fallait que j'en récupère. Offre ses cadeaux favoris à Donald. Ma foi, on va y aller. Voilà. Hop et hop. Et là, c'est reparti pour de la plantation. Il faudra tout arroser. Attends, mais pourquoi il est allé jusque là-bas, là ? Je crois qu'il a pas compris. Le jeu, ce que je voulais faire en termes de plantation. Dans l'autre sens. Voilà.
Ensuite, ici. On va manger des pizzas. Désolé, il n'y a pas de quiche dans le jeu. Donc, pour un choix personnel de ma part. Et voilà qui est fait. Tac, là on va aller revendre tout ce qu'on a en trop. Salut mon ami. J'ai l'impression d'avoir tellement peu récupéré de citrouilles. Donc je vais regretter de le vendre, ça, mais bon, tant pis. Le blé, pareil. J'achèterai s'il faut. Et je crois que c'était une voiture, bien mieux sur le côté de du jeu. Non, c'était Wally. Voilà, tout va bien. Je suis pas du tout bigleux, c'est dans votre tête. Je craque, je vais quand même voir Picsou. Je peux pas passer devant lui sans m'arrêter, c'est moche. C'est irrespectueux, je pense, de ma part. Oh, c'est quoi cette cheminée? Alors, qu'avons-nous? On va faire le tour. Bonne journée à toi. On te l'envoie, hop, on achète. Un t-shirt Toy Story. On achète. Bonne journée à toi. Je te remercie. Ouais, je regarde si dans ma collection ça augmente 327 sur 764 des vêtements. Bonjour. Oreille de chat orange. Monstre et compagnie. Oh, j'en avais déjà mais des bleus. Bonjour. Ensemble de bagues en bronze. Ok. Chaussette de sport blanche, juste avant j'avais les noirs. Pas bien. Quoi ça? Bénitier géant. Pas trop où est-ce qu'on peut le ranger ça? Un grand canapé d'ongles, bah vas-y hop, 540 ça vaut rien parce que c'est un truc de base. Ça c'est quoi ça? Lilo et Stitch, oh parasol bleu et serviette rouge, allez hop on prend. Avec le type de crème solaire à côté, ça peut être cool. Grand canapé noir. On va prendre aussi. Robe ici. Robe de la belle à bête, rose blanc, robe à fleurs blanches et rose. Je te remercie. Un mixeur qu'on va prendre. Dévaliser le magasin comme à notre habitude. Le temps c'est de l'argent, exactement. Oh, un petit tabouret. Non, ah c'est tabouret. Pardon. Désolé, mais... Désolé. Ah. Et c'est quoi ça? C'est un shaker repas liquide qui vient de chez Wally. Oh, j'espère que ça ne fuit pas dans mon coffre-fort. Voilà, ça c'est quoi ça? Bonne journée à toi. Papier peint à carreaux à ondulation blanc. Bonjour. Le frigo Mickey, je sais même pas si j'ai encore celui-ci. Merci Couscous. Au revoir, à bientôt. Salutations voisin. Je te remercie. Et ça y est, je crois que j'ai dévalisé Picsou, il reste plus rien. Bah voilà. Au revoir, monsieur Picsou. Je vais m'étirer et tout parce que. Ah, qu'est-ce que ça fait mal de partout. Et tu me gênes, Rémi. Oh. Bon, allez, hop, c'est parti. Il va falloir qu'on ramasse tout ça, là. Par consulter. Hein. J'avais déjà fait, mais... Allez, là, pour récolte. Oh, mais non!
On verra ça après. Pour l'instant, on ramasse, on ira acheter le reste après. Ouais, non, là, on n'est pas dans le manoir, on est dans une boutique de Picsou. On ramasse bien tranquillement. C'est pas du tout le sens dans lequel j'espérais partir. Donc c'est difficile de s'orienter. Ah oh, putain, je suis coincé à nouveau dans le décor par rapport au perso. Du coup, il va encore ramasser ça n'importe comment. Qu'on est le 11 et que je n'ai toujours pas fait l'animation pour Oli, alors qu'ils font leur réduction depuis le 6. Là. Enfin, pas leur réduction, mais leur, leur offre spéciale. C'est pas les réductions du tout. C'est des produits qui ne sont disponibles que pendant la période de Noël. Et re, Kofi. Comment que ça va là-dedans? Pas trop fatigué? Yes. Ah mince! Je passe avec l'ordi. Kofi, tu es coupable. Coupable. Coupable! Bah, te mange son sec. Ça fera 5 dollars. Ah, ça, t'étais sur le... T'avais parlé du NAS, j'en ai un à la maison de NAS. Très pratique, ces trucs. Mais en fait, au début, j'ai voulu te répondre, puis j'ai vu que c'était pas du tout la même marque que moi. Moi, j'avais pris un truc de Synology, c'est pour ça. Et quelqu'un m'avait fourni un petit logiciel, en fait, qui me fait directement le lien. C'est à tous les fichiers que j'ai sélectionnés, il me fait obligatoirement une copie sur le disque dur. Ah, Dragon Quest Treasure. Mais attends, Dragon Quest Treasure, c'était pas un jeu qui était sorti sur DS avant, un truc dans le genre? J'ai l'impression que c'est le même perso. Bah c'est un logiciel de Synology, mais je peux te dire, attends. Tu finis de temps. Quoi que non, attends, il y a des choses qui sont prioritaires dans la vie. C'est ça que j'utilise, tu vois. Il s'appelle Synology Drive Client. Voilà. Et en fait, quand je clique dessus, là ça fait rien, mais... C'est ça que je voulais. Voilà, ça me dit, voilà, tu vois, on a travaillé à 38 minutes sur la carte, et automatiquement, ça m'a copié la carte, ainsi que le fichier du produit de Lego Stop Motion, P-Projet, etc., etc. Tout ce qui est enregistré dans un fichier bien particulier, bah, ça me le met automatiquement sur mon truc. Alors, peut-être que ça fonctionne aussi pour toi, hein, mais il s'appelle comme ça, ouais, Synology Drive. Celui que j'utilise. Sauvegarde continue. Voilà, j'ai mis en place une sauvegarde, une tâche de sauvegarde, donc peut-être que ça fonctionne avec les autres. Hein. Mais du coup, je lui ai dit, tu prends tel fichier, tel dossier sur mon ordinateur, et tout ce que tu fais, c'est une copie directe sur le... Tu me le copies direct sur l'autre disque dur, et basta. Enfin, sur le disque dur du NAS, et tu te débrouilles. Donc, voilà. Et pour l'accès à distance, je crois que je suis passé par les trucs préenregistrés sur le Synology. Mais il est très très rare que j'aille rechercher ça par la distance. Donc j'ai automatiquement une copie de mes dossiers qui va directement sur le NAS.
Oui, c'est ça, Couscous. Enfin, les NAS servent aussi à ça, c'est des serveurs en fait, des mini-serveurs à la maison. Si j'ai bien compris, ce qui est possible que je dise des grosses bêtises. Donc, par exemple, c'est que sur le serveur Synology, il y a une page internet. Je me connecte à Synology sur internet et j'ai accès à tous mes documents qui sont sur mon NAS chez moi. Tant que celui-ci a accès à internet en tout cas. Ça peut servir de bibliothèque multimédia, ça peut servir de plein de trucs en fait, c'est vachement pratique. Pam pa 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 pam pa 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 pam 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 pa 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 pam. Bon, moi je m'en sers surtout comme pour de la sauvegarde et comme médiathèque en fait. Pam pa 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 pam 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 pa 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 pam. Il y a des fois où le Rémi se déplace quand tu marches, quand tu marches contre lui, t'as des fois où en fait tu vas rester coincé. Là, on a presque un de complet là. Je n'ai plus de citrouille, donc on va l'en acheter. On va en profiter pour vendre le reste. Vendre. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. Du pognon. Du pognon. Acheter. Mais il faut un minimum de connaissances pour ça, je pense. Ou alors, faut avoir le temps de chercher les tutos et tout. Je t'avoue que dans le joueur de cœur, on est quand même déjà pas mal à foncer avec plein de choses à faire, donc bon. Axios, il donne tellement envie de partir en vacances. Et de faire des vidéos vlogs et tout. Voilà. Tu es une quiche, Harry. Et merci à toi, Red Bad Lobster. Lobster, c'est ça? Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Évidemment qu'on puisse enlever les comment dire les tous les trucs qui traînent autour là, le feu là, la mèche. Là c'est long au bout d'un moment de même les ronces.
Et quand je parle de les enlever, je parle de les enlever pas légalement, mais dans le sens... dans la quête, quoi. Qu'on fasse pas comme ceux qui avaient déplacé les puits de l'autre côté pour pouvoir se téléporter de chaque côté du truc. Ah, on a des petites alertes ici, Red Bad Lobster. Mais du coup, c'est une grosse carte graphique que t'as perdu, Diablo Bros. Et non, j'ai pas eu mes poissons post-it 4 parce que je ne joue pas en dehors des streams. Et comme tu l'auras peut-être vu, j'ai rajouté un système de sous-titres au stream qui, comme tu peux le voir, sort que des bêtises. Faut que je l'entraîne. Quand tu perds du matos, c'est toujours dégoûté, hein. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contents d'en perdre, à part ceux qui l'ont acheté exprès. Alors tous ces gens qui achètent une console nouvelle génération et qui arrivent très tôt le matin, qui sortent direct du magasin, prennent un gros marteau et l'explosent par exemple, ou ce genre de choses. Hein. Devant les autres qui attendent leur truc. Ok, on va aller revendre les derniers trucs qu'on a en stock. Il est quelle heure là? C'est à 59, c'est combien de temps que je joue? 27 minutes, ça va, c'est pas non plus. Hein. J'ai envie d'attaquer des Legos là tout à l'heure. On va éviter de vendre celle-ci. Une raison toute bête, c'est que j'ai peur. Et après, elle me manque. Genre, ils vont me dire bonjour, vous avez besoin de 20 citrouilles. Je vais dire non, je les ai toutes vendues, il va falloir attendre demain. Ce serait trop triste. Et c'est les Greywitch, comment vas-tu? Elle vaut 400-500$ là, 900 là maintenant? J'ai cru comprendre que ça avait augmenté, mais peut-être pas pour les anciennes à ce point aussi. Faut que j'aille arroser là-haut, sinon ça ne poussera pas plus. Donc je sais même plus, ça se trouve c'est déjà dit bonjour Clouch. Mais je t'avoue que là, je sais plus. C'est ça d'avoir zéro mémoire. Coucou à toi si je ne l'ai pas encore. D'accord. Je viens de le dire. Je venais de le dire. Oh mais je suis désolé. Attends, j'ai essayé de me manger quelques céréales. Ah. Les bonbons, c'est bon. Il faut pas en abuser. Cherche les boutons. Donald, je crois bien que Donald il dort à cette heure, sinon. Ouais. Vendre du thé pas à notre coco. Est-ce qu'on a coco à repousser là? Non, pas encore. Récolte du colza, faut attendre que ça pousse. Pendant l'excursion pendant une heure. Minéraux. On peut peut-être s'occuper des minéraux. Pour l'instant, j'ai même pas continué les quêtes principales des trucs, alors que finalement, c'est le truc qui revient le plus. Enfin, qui revient le plus, non, c'est faux. Ça compte n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le truc qui. Ah non, même pas. J'allais dire qu'il prend le moins de temps. Enfin, pour lequel il reste moins de temps. C'est pour la quête des événements, justement, qu'on est limité, mais il y avait 50 jours pour la faire, donc on est large.
D'ailleurs, il faudra peut-être d'ailleurs que je continue à explorer pour essayer de... comment dire ? Des chemins salés, ça. Sur 20 minéraux. Il n'y a aucune noix de coco par ici, là. Un bananier, mais il n'y a pas de noix de coco, pas à première vue. Pour le rester sous mes yeux, je les ai toutes ratées. Elles sont tellement longues et répétitives, les quêtes des événements, ce qui est plus ou moins normal, hein, c'est du farm. Je suis pas censé trouver trop, ça trop rapidement, je trouve même qu'on va déjà trop vite à l'intérieur. Mais j'aurais aimé des mini-jeux un peu plus variés, tu vois, peut-être. Je veux tous les persos, mais je sais pas si je serais prêt à faire l'effort de systématiquement... des choses comme ça, quoi. Où il faut ramasser tant de machins qui sont aléatoires, tu sais pas ce que tu vas avoir. Bah, si t'étais du farm où t'es certain d'avoir ce que tu veux, ça serait plus cool. Du moins quand comme moi on stream le truc, quoi. C'est quand même ceux qui n'ont pas de cristaux, parce que des fois il y en a quand même dedans. Là, il n'y a rien eu. Là, j'ai déjà cassé. J'ai pas fait gaffe que ça avait poussé par ici. Vous aussi, Maril. Ben, comment ça, pourquoi un maillet? C'est pas les couteaux, toi, que tu préfères? De me poser moins droit pour me détendre le dos. Le couteau, c'est après. Ça, c'est la première étape pour être tranquille et être sûr qu'elle ne crie pas, c'est ça? Sur 20, ça va être long. Donc cadeau je peux pas, notre coco c'est pas encore poussé, le colza ça va bientôt arriver, et part en excursion une heure avec Merlin. Motivons tout de suite. Hein. Ouais, on va boire le reste d'Oli je pense. Même si à 10h je vais être tellement KO que je vais pas pouvoir faire grand chose. En même temps, si le chat m'avait pas réveillé cette nuit, ça aurait été peut-être mieux. En plus, c'est le week-end, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Ça y est, tu vas pouvoir dormir et tout. Eh non!
Le chat qui vient de te réveiller qui fait « Ah, salut, c'est moi. Je m'avais oublié. » Non, parce que j'ai l'impression que tout le monde m'ignore ici. Donc je vais te monter dessus et j'ai miaulé parce que j'ai faim. Voilà, ce que je vous ai remis, en fait, il coince ce passage. D'habitude, on peut les pousser, les personnages. Mais là, j'ai l'impression que cette session, ils ont décidé que non. Vous ne pourrez faire ça. Sur 20. On va avoir cassé plusieurs trucs. Padam, pam, padam, 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 pam, padam, 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 pam. J'ai l'impression que ces pierres étaient plus sombres avant. J'ai l'impression d'avoir raté des pierres autour de moi. Attends, je vais prendre le lit. Et hop. Termine le shaker. Horus, oui. Pourquoi ces questions ? Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Wow, ce sont tous des streamers. Pardon. Wow. Wow. Oui, c'est indiscret du coup. Des bisous, Kofi. Bon courage. Maintenant, tu pars sur quoi, toi, d'ailleurs? Alors, attends. Tac, tac, tac. Kofi qui part sur quoi? Sur la discussion, pour l'instant. Voyons voir. Ah oui, mais prêt à défoncer des culs, c'est vrai. Voilà, Kofi, il part défoncer des culs. J'aime ce jeu de mots. C'était bien trouvé. Ah mais attention, tu sais que ça m'arrive de faire des commissions aux Russes. Tu te doutes bien que y a plusieurs personnes qui ont mon boulot sur leur chaîne. Enfin, ça serait quand même bizarre que... Voilà, pour le coup, tu fais un lien particulier. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai un harem. Si on part de ce principe-là, si c'est la famille ou ma meuf ou machin, ou genre de choses, et on prend des gens pour lesquels j'ai bossé, c'est pas bon.
Je doute bien que les choses ne fonctionnent pas comme ça. T'imagines ? Les artistes et tout... Je crois que les personnes pour qui j'ai fait des alertes de sub, il n'y a que Lily Conjo. Bah après, j'ai fait des alertes pour d'autres personnes. Donc... Ah non, ça m'arrive. En fait, c'est y a des personnes que j'apprécie, qui sont cool. Et et en fait, quand ils me demandent... En gros, ma règle à moi, c'est est-ce que je suis prêt à faire le truc gratuitement ? Et si oui, et que la personne n'est pas trop chiante, bon, en général, je dis oui, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Après, il faut être patient, parce que des fois, je mets énormément de temps à les faire. Donc non, j'ai déjà fait des commissions là-dessus. Pour plusieurs personnes. Mais je sais qu'il n'y a que Lily Conjo pour qui j'ai fait des alertes sub. J'ai fait des alertes de raid, des arrêtes de follow. Est-ce que j'avais fait d'autres trucs ? Je sais plus exactement. Cette année, j'ai fait des alertes de lurk, de train de la hype. J'ai fait des emotes pour différentes chaînes. Mais... Ouais, ça, il n'y a que Lily Conjo, je crois. Bah, tu me dis que pour les subs, donc c'est... Je crois que c'est la seule personne. Enfin, c'est ça que tu m'as dit. Parce qu'après, il est possible que j'ai mal lu. Ouais, c'est ça, quand elle a un sub. Donc j'avais bien lu. Et c'est la seule personne pour qui j'ai fait des alertes de sub actuellement. Mais c'est pas la seule personne pour qui j'ai fait des alertes. Mais du coup, faut pas tout mélanger. L'un et l'autre n'ont pas grand-chose à voir, en fait. Parce que sinon, oui, effectivement, j'ai une grande famille. Ou alors, j'ai beaucoup... de compagnons et de compagnes, dans ce cas-là. Mais du coup, ouais, ça m'est arrivé de faire des commissions. Bon, ben voilà, quoi. Des fois, ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Et coucou, Mel Williams. Comment ça va ? Crevé. Là, tout de suite, gros coup de fatigue, là. Je suis en train de... papillonner. Et j'ai super mal. Mais sinon, ça va très bien. Et toi ? La nuit s'est bien passée. Tac, 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 tac. Et sinon, je vais bien. Quand je disais fatigué, mais ça... Mais oui, ça m'arrive de répondre à des commissions. C'est extrêmement rare que je le fasse. Comme je dis, je suis très, très lent. Et là, par exemple, il y a une autre personne qui m'est passé les commandes de lurk et d'emote et c'était quoi le troisième ? Je crois que c'était encore une commande de train de hype. Et du coup, voilà. Mais c'est toujours pas fait alors que ça fait un an et demi que la personne m'a commandé, voire un an. C'est plus. Il m'en manque 4. Allez, vas-y, on peut les trouver, dernier truc qui manque. Et du coup, ouais, pas trop tard et j'ai dormi. Ça, c'est bon. Ouais, j'étais bien, là, je dormais bien, puis le chat est venu me réveiller. Du coup, je me suis réveillé beaucoup plus tôt que prévu. Je pense que ça m'a bien cassé, là, je le sens que je suis cassé. Gentil, Russe. En général, les nuits blanches, en fait, il y a un moment où c'est difficile. Par exemple, si c'est une nuit blanche alors que t'es dans les LS Life, autrement dit que tu vis de jour. En général, je trouve que le matin peut être dur après une nuit blanche. Et ensuite, l'après-midi, le matin, genre 10-11h. Je sais que moi, quand je faisais les nuits blanches avant, quand j'étais jeune, et que je pouvais enchaîner les nuits blanches sans trop que ça me cause de soucis. Et je pouvais enchaîner 3 nuits blanches et hop, ça allait encore quand j'avais 20 ans, quoi. En 22, 23. Maintenant, j'en fais une, c'est bon, je suis KO pour des semaines. Je suis vieux. Ah, il me manque quoi, là ? 2 minéraux encore. Ouais, et c'est ça. Ce que je te disais, c'est que, de mon point de vue, quand tu fais des nuits blanches, j'ai l'impression que t'es fatigué en général le matin, après la nuit blanche. Genre, t'as une fatigue, si tu as l'habitude de dormir, je sais pas, moi, de 21h à 7h,
Sauf que la fatigue, elle tombe, enfin même de minuit vers 7h. Voilà. La fatigue, elle arrive vers 10-11h le matin. Après, t'es tranquille et même le soir, t'es bien, comme si t'avais pas besoin de dormir. C'est comme ça que j'en avais enchaîné en plusieurs quand j'étais plus jeune. Parce que je me dis, bon, en fait, ça va, je tiens le coup. Et en fait, tu te couches à 23h d'habitude, t'arrives à 23h, tu dis, ah, bon, en fait, ça va, pas de soucis. Ouais, c'est pour ça que t'entends, je reste au lit le matin. Bah, comme là, tu vois, je me suis sorti du lit, il doit être 20h50. Hop là. Tac, tac, tac. Récolte de la vanille. Faut que je me souvienne où aller. Vendu tes machin chose. Récolte du colza. Là, on devrait pouvoir en récupérer. Le attrape un tasard, faudrait que je fasse le matin. Où est la vanille déjà? Collection. Ingrédients. Vanille, elle est sur le plateau ensoleillé, la vanille. Et alors, attends, faut qu'on s'en aille d'ici. J'arrive plus à être insomniaque. Qu'insomniaque, finalement, de mon point de vue, c'est que tu peux pas dormir, donc t'as tendance à essayer d'aller te coucher, en fait, tu dors pas. Bon bah c'est cool. Moi, je t'avoue que j'ai envie de faire un gros dodo jusqu'à ce soir là. Je me réveille. Ce soir d'ailleurs, on fait The Devil in Me, donc je recommencerai une partie et je le ferai avec Lynx, je pense. Apparemment, tout a poussé ici. Donc, on va pouvoir aller terminer de récupérer ce qui nous manque au niveau du colza. Ça y est. Voilà, fabrique des chaises du festin des fêtes. Alors qu'ils vont nous faire construire et poser des trucs du festin des fêtes. Alors attends, il me faut déposer le colza ici. Là, on va aller récupérer le truc pour installer le colza. On va les mettre. Je t'avoue que là, tout de suite, j'arrive jamais à me souvenir. Le premier qui me vient à chaque fois à l'esprit, c'est Hogwarts Legacy, qui me rend très très curieux, parce que je sais que j'avais essayé de jouer au jeu Harry Potter pour visiter Poudlard, et j'avais notamment adoré le... Je crois que c'était... Et la coupe de feu. J'avais passé un long moment à explorer le château, et je m'étais éclaté là-dessus. Tac, 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 ça en redépose. Voilà. En fait, on va passer par là, on va aller voir s'il y a des choses qui ont repoussé de l'autre côté. Franchement, même si le jeu n'est pas aussi extraordinaire qu'on le voudrait, je veux dire, il peut pas être pire que le Harry Potter et la Coupe de Feu, tu vois. Il a vieilli depuis. Je me dis que ça devrait être bon. On aura forcément quelque chose de mieux, ne serait-ce que dans certaines bases. Après, il est possible que certains détails soient ennuyeux. Voilà. Ils ont mis du temps dessus, je me dis que ça devrait passer. Bon courage, du coup, bon réveil, mais d'oublier. Le meilleur pâtissier, je penserais. Un grand merci. J'ai essayé Post-it 4. Il plante beaucoup. Les sous-titres, ils sont pas... Il y a beaucoup d'erreurs à l'intérieur. Faut que j'entraîne le logiciel qui repère ma voix. Mais c'est déjà mieux que rien. On va essayer de l'entraîner petit à petit. Histoire qu'il arrive à écrire quand même des choses correctes. Où
Oh, j'ai tout jeté là. Ah non, il y a ça. Mais du coup, si j'attends, mais après, il y en a plein d'autres, mais je me souviens jamais exactement, je fais pas attention, je prends les jeux au moment où ils arrivent, et puis hein, tant mieux s'ils sont arrivés, tu vois. Fabrique les chaises de festin de fête. On peut fabriquer les éclats nocturnes? Ah, il faut du onyx, c'est intéressant ça. Donc des chaises. Meubles. Table en bois lourde. Chaise solide. Peut-être que j'ai pas la recette. Ah. Voilà. Récupère les pièces étoiles. J'ai déjà tout revendu. Oui, c'est j'en ai entendu parler de la console en question. J'avoue que, bon, pas super motivé. Faudrait que je regarde. Je sais pas combien il le fait. Ah, c'est son Cabri. Cabri, il retape ce genre de matériel normalement. Tu peux lui envoyer ta vieille Game Boy, il fait la même chose plus ou moins. Donc, je sais pas combien ça coûte par contre. Oh mon pauvre, je t'ai réveillé. Mon chat, non mais c'est à moi. Le chat il me regarde avec grands espoirs, des grands yeux et tout, il est trop mignon. Pour le coup, ben moi j'ai encore ma Game Boy et mes jeux, donc ça me va. Hein. Vu ce que les sous-titres écrivent, moi ça me fait un peu peur quand même. Blablabla. Bon l'arc. Et bonne matinée du coup. Alors t'es perlé. Et on va ajouter Coco. Coco. Voilà. Et donc, on va faire Y, déparer notre Coco. Et hop. Combien il fallait que j'en fasse? Bon, j'en ai fait 6, je crois, là déjà. 7. 8. 9. Combien? J'en ai 10 piles, il faut que j'en vende 10, c'est ça? Ouais, à la, on va aller les vendre. Et coucou Blue Monday aussi. Alors, salut mon ami. Oh. Ah, je suis bête. T'en reviens, si, reviens. Content de te voir. Vendre.
gagné que 4000. Accompli des missions Dreamlight. Putain, ça, c'est un des trucs. C'est des, ça fait partie des pires activités, ça. Je vais voir si je peux lui vendre pour assez de citrouilles. Vendre. Ça m'a rapporté combien de les vendre, celle-ci? 9000. Je sais. Je vais faire. Yo, bien, t'as vu? Eh ben, écoute, bien. Je vais m'empresser d'aller vendre tous les poissons. Et normalement... Salut! Salut à toi, ô compagnon. Ce qui aurait été pratique, c'est que... Que 4000? Mais non! T'as combien là? 8K sur 20K? Ouais, mais j'ai pas envie d'aller chercher les trucs super loin. Accompli des missions de... récolte de la vanille. On va aller voir pour la vanille. Elle est pas à jour, mais t'as un lien dans le monde sous mon stream. Où il y a la configuration. Mais ça a changé depuis. J'ai changé de carte graphique sur le PC de jeu. Il y a des disques durs aussi qui ont changé. Il y a pas mal de choses qui sont totalement différentes aujourd'hui. Alors la vanille. Ça sert à rien que j'aille chercher Merlin pour cette fois-ci. Je vais essayer de choper les trucs au fur et à mesure de... Faut que j'en ramasse combien? 15. Ça va pas se faire non plus une grande facilité, mais on va essayer. Ah, j'oublie souvent ce caillou là. Ah non, mais c'est pas un caillou normal. Je croyais que c'était un caillou de... On récupère les trucs pour de vrai. Ah. Ah ah. Quoi ça? Tac, Ida turquoise. Ida. Je sais pas à quoi ça correspond. D'accord. Je me rends pas compte, j'ai bien compris que... dernièrement, c'était les éléments qui étaient difficiles à récupérer, ça. La graphique, carte mère et tout. Enfin, carte mère... La graphique, surtout. Carte mère, je sais pas. Peut-être sur 15. Quand on est avec Merlin, il peut doubler les ressources qu'on récupère avec ce genre de choses. Il y en a encore un peu. Comme ça, si ça repousse, c'est bien. Ah oui, il y avait un truc ici, là, ils l'ont enlevé. Que c'est fini, il n'y a pas plus de éléments à récupérer par là. Après, ça monte vers l'autre zone. On est à 6 sur 15. Vu que j'en ramasse quand même un de plus, pour espérer la prochaine fois avoir la moitié. Je pense que ce ne sera pas le cas. Alors, réfléchissons ensuite. Qu'est-ce qu'il y a comme chose que je pourrais faire? Accomplir une mission Dreamlight.
Là, je peux éventuellement faire comme ceci. Offre deux cadeaux, prends une photo. Change de tenue. Garde-robe. J'aime bien mes pantoufles. Donc je vais rallumer, le réhabiller selon qu'on a fait dernièrement. Hop, sur. Voilà. Ça, c'est la classe. Pardon. Petite photo. Non, la photo, c'est pas comme ça. C'est là. Voilà. Et de mission Dreamlight. Récolte 3 champignons, ça peut se faire assez rapidement en dessous. Vraiment trop froid, ouais. Et donc coucou Igargir, j'ai peur que la batterie de ma voiture soit complètement KO. Je les ramasse pas pour l'instant les racines parce que j'ai une peur bleue que... qu'elles disparaissent après et que la prochaine, une des prochaines missions soit « Hey, ramasse les trucs !» Attends, c'est tout destroy ici, j'avais pas vu. Voilà. Alors on disait ramasser champignons. Est-ce qu'on en a quelque part par ici? Mais si, Kai. Et alors? Du coup, ça enlève rien au fait qu'il peut faire froid? Là, c'est un peu comme si d'un seul coup t'as un mec qui dit mais ça pue ici, t'as Krilin qui répond ben non, moi je sens rien. Voilà. Donc au final c'est un peu comme si on s'en fout. Je suis Picard et je le reste. Parce qu'on aime les surgelés ici. Du coup. Mais bon dimanche à toi aussi, ouais. Et je suis d'accord, il fait pas chaud. Même si ça va dans l'appart, c'est cool. Il y avait de la neige là. De quoi, Badref? Offre de cadeaux. Prépare un plat 4 étoiles ou plus. Nourris une bestiole. Attrape 3 poissons. Sers un plat au restaurant. Arrose de fleurs séchées. Alors on peut bien attraper un ou deux poissons. Il n'y a pas un petit truc par ici là? Moi, je suis en Auvergne. Mais bon, du coup, dire qu'il fait froid à moins 1, c'est une vérité. On ne peut pas dire le contraire. C'est négatif, donc c'est froid. Mais moins froid, ça veut dire froid, quand même. Je sais pas quelle température il fait dehors, là. Et j'ai pas spécialement envie d'aller vérifier. Oh.
Alors, d'après le truc, il me dit qu'il fait 21 degrés. Voilà, et dehors, moins 2,3. Voilà, moins 2,3 chez moi. Et pas chaud. Par aux 40 degrés qu'on avait dehors en été. Dans le sud-ouest, il fait moins 5. Ouh, ça pique ça. Ouais, mais en fait, je préfère regarder la température qui apparaît sur ma borne à l'extérieur plutôt que... voilà, c'est connecté à la borne à l'extérieur. Parce qu'en fait, je me suis acheté un truc qui vérifiait la température. C'est parce que, comme je vous dis, j'ai été très malade pendant l'été à cause de la chaleur, d'où le fait que j'ai acheté une clim. Et t'as vite pas envie de d'accord. Ouais, donc forcément, ça doit jouer. Et je regarde pas, parce que là, tu me dis sinon qu'il fait moins 7. Mais tu vois, je regarde plus ce genre de choses parce que j'habitais à Aurillac. Et Aurillac, il fait bon. La température est rarement très basse, à part peut-être le matin. Mais en gros, il fait presque plus chaud à Aurillac souvent qu'à Toulouse. Mais quand tu regardes la météo et que la télévision et que les gens, tu leur dis « Bah ouais, j'habite Aurillac », le mec, il dit « Oh, c'est le coin le plus froid de France !» Mais que dalle, en fait. Ressenti 24. Mais du coup, ouais, je préfère regarder moi-même combien il fait à côté de chez moi grâce au capteur qui est à l'extérieur. Je trouve que c'est plus adapté. Ce que j'ai regardé, elles sont à quoi? Elles sont à 2 km, les stations météo. Donc ouais, la station météo française, enfin française, aurillacoise, là, l'Aurillac, elle est planquée dans un coin où il fait super froid, c'est nul. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mise là, en fait. C'est comme si tu rentrais dans un restaurant, et c'est bon, on va prendre la température ambiante. Où est le frigo? Tu vois? Et le mec, il dit, ok, il fait moins 16 dans le frigo. Donc, dans le restaurant, prenez un pull, il fait froid. Alors, personne va aller manger dans le frigo. Hein? C'est con. Bah, du coup, voilà, c'est la même chose avec Aurillac. Non, mais je pense que c'est un truc automatique aussi, hein, pour le ressenti. C'est-à-dire que ça prend en compte le vent, ça prend en compte si le vent, l'humidité, etc. Donc, s'il fait chaud avec beaucoup d'humidité, normalement, t'as plus chaud que s'il fait chaud sans humidité, si c'est un chaud sec. Donc, si du chaud porté air humide, c'est pas bien. T'as plus chaud, en termes de ressenti. Donc, je pense que oui, c'est extrêmement ressenti, extrêmement précis, en fait. Hmm. 6 sur 10, on va servir un peu au restaurant. Donc voilà, je pense comme ça. Bon, tu vois, regarde, il m'annonce moins 2 alors que mon attaque il m'annonce moins 7. Lequel a raison? Oh, il veut des bonbons, lui. Attends, je fais pas le risotto au poisson plutôt. I'm back. J'ai faim. Risotto poisson, il est où? Et merci Blacky pour le deuxième mois de sub. Comment vas-tu? Moi, je t'ai pas dit bonjour en fait encore. J'ai pas dit bonjour. Mania Game aussi, je t'avais pas dit bonjour. J'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Risotto, je suis sûr d'avoir déjà fait du risotto. Non. Ils ont mis des musiques légèrement différentes, ils ont dû comprendre que c'était horrible. On a joué 1h10 pour l'instant. Gagne 500 pièces, perd par un plat 4 étoiles ou plus. Gagne 500 pièces étoiles. On fait voir du coup. Un plat 4 étoiles ou plus, c'est les gaspachos. Pizza Margarita. Est-ce que je l'ai la pizza margarita machin chose hein?
J'ai la recette, je la fais. Ça va bien. Fatigué, mais ça va. Enfin, fatigué, mal au dos, mais ça va. C'est ok. Vend 5 fruits. C'est carrément faisable. Il suffit de ramasser une ou deux pommes et c'est réglé. Où sont les pommes? Hop, on a ici aussi. Une pizza dans une marmite. Ah non, je viens de faire une pizza dans une marmite. Mais comment tu fais ça? C'est la magie de Disney, ce n'est pas une erreur. Nous ne sommes point dans la réalité. T'as déjà vu une souris géante comme ça, qui porte un pantalon? Et encore pire, c'est même pas un pantalon, c'est un pantacourt. Franchement. Oui. Déjà vu. Où ça? À Disneyland. Bon, non. Et il me répond, bah non, j'ai chopé des souris et je les ai habillées. On en est où, là? Événement, mission accomplie. Prépare des plats 5 étoiles, 10. Je vais voir si j'ai quelque... ce que j'ai comme plat. On a dit pantacourt, pas Bermuda. Une marmitza. Au secours. Alors attends. Marmitza. Oh, il y a un souvenir ici, j'ai même pas récupéré. On a reconnu le dessin animé tout de suite, là. On pouvait plus se tromper à ce stade-là. Alors, un truc 5 étoiles. Est-ce qu'on a quelque chose de 5 étoiles qui serait simple à faire? Est-ce le hareng? On va faire 10. Ça va nous utiliser des ressources, c'est nul. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Offrir ses cadeaux favoris à Anna. Putain, j'ai deux personnages à qui il faut que j'offre les cadeaux favoris. Pas de bol, ça, quand même. Cuisiner. Avec des épices, ok. Ils valent combien, les plats? J'ai même pas regardé. Ce que j'ai fait. 300. 500. 1431. Sauf que j'ai pas envie de revendre les plats. Bon allez, on s'arrête ici. Le reste, ça va être un peu plus dur à mettre en place. Par contre, j'ai bien acheté les récompenses. On est sur la page 3. On l'achète, bien sûr. Hop là, galante festive, c'est à nous. Costume festif, c'est à nous. À nous. À nous. À nous le sticker. Et à nous ça aussi. Ensuite, ici, il reste pile 30 pour acheter ça. Ça et ça. Ah, la cheminée, elle me plaît beaucoup. Peut-être commencer par la cheminée, hein. Voilà. Il reste 47 jours. On a joué 3 fois. Donc là, hop, mission.
Prochaine fois, on essaie de récupérer. Ah, pièce, par contre, il va falloir que je me débrouille pour prendre Rémi à la fin, peut-être. Les derniers. Pardon. Il faudrait que je joue en début de soirée. Alors, attends, du coup, est-ce que j'ai les cadeaux favoris d'Anna ? Ils sont disponibles. Là, personnage. Anna. Gougère aux oignons, sorbet aux fruits rouges et capucine jeune. Gougère aux oignons, sorbet aux fruits rouges. Je crois que la blague a plus ou moins été faite, là, juste avant. Est-ce que déjà j'ai un sorbet aux fruits rouges ou pas ? On fait de la glace. Glacer la vanille. On va tenter du hasard. Sauf que j'ai pas de glace. Je vais mettre un fruit rouge. Sorbet aux fruits. Donc si on fait la même chose et qu'on met plusieurs fruits. La même chose. Voir un peu ce qu'ils me disent ici. Collection. La petite s'avance hein, quand même. Sorbet à la menthe, sorbet aux fruits rouges. Il y a 4 ingrédients. Nouvelle tentative. Ah, je regarde. Bon, c'est pas ça pour tout de suite. On verra une autre fois. On se fait des sorbets nuls, là. Du coup, on va couper la rediffusion ici. On va partir sur notre jeu. Enfin, sur notre activité. Quoi, soit faire du Lego, soit monter la dernière vidéo. Un peu la flemme. J'ai très envie d'attaquer du Lego, là. Pas très malin de ma part, mais j'ai envie. Offre ses cadeaux favoris, quoi que j'aurais peut-être pas le temps. Bah non, j'aurais pas le temps, je sais pas. Attends, elle veut 4 cadeaux. Donc, je peux faire la gougère aux épinards. Gougère aux oignons, pardon. Elle voulait quoi, la dame ? Ah, attends. En autre cadeau. Collection, personnage. Capucine jaune, avec un petit peu de chance. J'ai les capucines jaunes. Oh non. Je me disais j'allais rester coincé dans mon propre chez moi quoi. Alors Capucine, mais non mais je suis encore ressorti alors qu'il fallait pas que je sorte. Et c'est là que Anna dort et que je peux même pas aller arriver. Capucine quoi elle voulait ? Et je crois que j'en ai pas. Attends. À moins que si ce soit des capucines oranges qu'elle veut. Capucine jeune.
des capucines oranges, des capucines rouges, mais il n'y a pas de capucines jaunes. Bon, ben, on va s'arrêter là pour de bon. Je me dis qu'il n'y avait pas de bug, hein, mais là, pour le coup, je peux pas faire grand-chose. Hein. Voilà. Je peux rien appuyer. Tout est mort. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je peux appuyer sur Start, Select. Tous les boutons, quels qu'ils soient, je ne peux plus rien faire. Parce que Rémi me coince. Vraiment, ça sauvegarde automatiquement régulièrement, en fait. C'est vrai, le Missy Woo ? Heureusement que le jeu a des sauvegardes automatiques régulières quand même, hein, parce que... On n'a pas d'autre solution que du Alt F4. Hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ça désactive tout le reste. Bienvenue en enfer. Moi, je regarde. Voilà, du coup, on va couper la rediffusion ici. Tant pis, hein, je vais faire du Alt F4. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif, prenez soin de vous. Je reviens. On va aller faire autre chose. Alors, je vois qu'il est 8h54. J'avais presque envie de faire du Lego. Là, j'ai pas le courage. J'ai tellement mal au dos. Je suis tellement crevé. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'essayer d'aller finir le montage qu'on avait commencé. Ça vous a plu ? Alors, non. Il y a une dernière chance. Ctrl Alt Sup. En fait, c'est mieux de faire Ctrl Shift Échappe. Ça va plus vite. Voilà, tout de suite. En espérant que ça sauvegarde depuis pas trop longtemps. C'est vrai que ça me sauvegarde dans le bug, imagine. Je reviens.